Attends. Accorde-moi 2 minutes. Dans 1 de Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est écrit: en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Tu dois être encouragé par ces paroles que tu entends aujourd'hui. Peu importe les difficultés que tu vis, peu importe tes problèmes, peu importe ta maladie, aujourd'hui, Dieu veut t'encourager par cette parole. Pose ton regard dans la vie éternelle, dans l'espérance de l'éternité, dans le paradis, dans le royaume des cieux. C'est cela qui est notre espérance à nous qui sommes sur terre. Nous ne devons pas être affligés par les choses terrestres. La Bible dit que tout ce que nous avons à endurer sur terre n'est pas comparable à la gloire qui nous attend dans le ciel. Alors soyons dans la joie, soyons heureux, sortons prêcher cette bonne nouvelle, sortons préparer le retour du Christ, dire que nous pouvons avoir accès au pardon de nos péchés et à la vie éternelle par la repentance à travers Jésus-Christ, notre Messie, le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, fais une prière à la fin de cette journée ou à la fin de cette vidéo. Passe du temps avec le Saint-Esprit, cherche sa présence et ressens l'amour de Dieu dans ton cœur. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu te bénisse.